putain, c'est quoi ce bordel? C'est quoi le problème en France avec les handicapés? Ils ne rentrent pas dans vos cases, donc ça fait chier. Si on prend juste le handicap mental, le handicap psychique ou l'autisme, la plupart des services d'accompagnement ont fermé ou sont en télétravail. Les professionnels font encore quelques VAD et deviennent des coachs à distance pour les parents qui se retrouvent avec leurs enfants ou leurs grands-enfants à la maison. Après oui, avoir son enfant de 45 ans à la maison quand on est parent de personnes vivant avec un handicap, parfois, confinement ou pas, c'est le quotidien. Alors de quoi ils se plaignent? D'accord, mais les personnes qui vivent en institution, en foyer d'accueil médicalisé, en maison d'accueil spécialisée, en foyer de vie, en foyer d'hébergement, sont safe, non? Bah oui, ils sont bien à l'abri des visites extérieures. Comme les EHPAD, ils sont bien confinés et pour se faire la malle, c'est prison break. Mais en ce qui concerne le virus, non. Des gants? Nope. Du chat? Nope. Des masques? Nope. Les associations se battent encore pour avoir de quoi protéger les personnes. Mais d'où? À quelle heure? La société les a placés là et elle n'est pas capable de les protéger? Car oui, il n'y a pas énormément de solutions aujourd'hui à part chez les parents, en institution, ou alors il faut être sacrément débrouillard. Alors oui, c'est vrai qu'ils font chier à pas respecter les consignes. Ils ont qu'à faire comme tout le monde, être des bons citoyens et protéger les autres, bordel. Ouh, vous êtes des mauvais parents. Ah non monsieur, ce sont les professionnels qui sont mauvais. On s'est creusé la tête à leur fournir des bonnes pratiques et ils sont pas capables de les appliquer? Je te remplacerai tout ça moi, en plus ils coûtent cher et ils produisent rien. Le Covid-19 ne fait que mettre en avant une situation qui est honteuse pour le pays des droits de l'homme. Les personnes vivant avec un handicap, et là je parle de tous les handicaps, en France, on sait pas quoi en faire. Ils ne rentrent pas dans ces putains de cases alors ça fait chier. Bah oui les gars, vous faites pas d'efforts. Adaptez-vous un petit peu. Merci aux parents et aux aidants qui restent dignes face à une société qui se fout de leur gueule et qui n'a pas de réelle solution à leur proposer. Merci aux professionnels qui bricolent avec les moyens du bord. Vous allez faire le taf comme d'habitude et comptez sur les médias pour vous sniper à la moindre défaillance. Parce que oui, il y en avait avant, il y en aura pendant. Ce qui me dérange, c'est quand on parle de ces institutions, c'est uniquement pour montrer ce qui va pas. Et jamais pour montrer ce qui va. Comme si c'était normal que de s'occuper des personnes avec un handicap. Si c'était si normal, pourquoi il y aurait des professionnels? Pourquoi les parents seraient si isolés face au handicap de leur enfant? Et putain, merci aux personnes vivant avec un handicap d'être aussi indulgents face à autant de mépris et face à autant d'incompétence.